Bonjour à vous tous, ben écoutez, aujourd'hui on va parler d'un nouveau produit qui arrive dans le catalogue, que vous allez voir maintenant, juste après plutôt, qui va être donc au niveau des champs électriques, car comme vous le savez, notre environnement a beaucoup évolué, donc c'est beaucoup modifié d'ailleurs, et pas toujours dans le bon sens par rapport à nos grands-parents, et donc nous sommes entourés de champs électromagnétiques et donc d'ondes électromagnétiques. Donc ce que je vais vous présenter juste après, ça va être un câble USB avec une prise à la terre, pour tout ce qui va être les box, style Freebox, Bigbox, SFR et Orange, qui ne sont pas malheureusement reliés à la Terre et donc émettent autour d'eux un champ électrique assez important. Et aussi pour les vieux ordinateurs portables qui n'ont pas donc aussi de prise à la Terre et quand, lorsque vous travaillez, vous avez ce champ électromagnétique donc autour de vous. Donc j'utilise pour ça pas mal d'appareils de mesure, je vous en montrerai quelques-uns. Celui-ci par exemple, donc c'est celui que j'ai utilisé pour les tests par rapport au champ électromagnétique. Donc qui permet au niveau des basses fréquences et donc qui permet de voir donc cette diminution et vous faire d'ailleurs aussi avec deux appareils que je vais tester. Donc ça c'est un des appareils que j'utilise. Vous avez par exemple pour la prise à la terre que je vous conseille surtout avant d'installer n'importe quel appareil de prise à la terre de tester toutes vos prises parce que c'est pas parce que vous avez une prise à la terre qu'elle est bien installée. Croyez-moi, j'en ai eu les surprises et d'ailleurs je vous l'ai montré dans une de mes vidéos. Une version beaucoup plus poussée que les professionnels utilisent. Donc là, on a en plus sa conductivité, donc qui est en ohms. C'est-à-dire que vous avez bien la prise à la terre, mais il peut y avoir que la terre ne soit pas très bonne conductrice. Et donc, on va mesurer en ohms. Donc, normalement, en France, il faut être entre 50 et 100 ohms. En Allemagne, on est en dessous de 10, vous voyez. Donc, comme quoi les Allemands sont toujours en haut au niveau des tests et autres. Et donc, avec cet appareil, on va pouvoir donc mesurer la conductivité. Je ne vois pas trop l'intérêt directement de l'acheter à moins que vous soyez un professionnel pour pouvoir donc faire les mesures. Si par contre, avec le petit appareil, vous voyez que vous avez des prises qui ne sont pas reliées à la terre, là dans ces cas-là, demandez à un électricien qui vienne donc faire des tests plus poussés en plus de ce que vous avez fait là au niveau de la conductivité. Et un autre appareil que j'utilise par rapport donc aux ondes électromagnétiques, d'ailleurs j'en ai même fait un test dans un petit parc Porte des Lilas, où j'ai demandé à la CRIREM de me confirmer ou m'infirmer ce que je pensais, parce qu'on avait des valeurs qui étaient au-delà de 2 volts par mètre dans un parc où des bébés et des mamans, des femmes enceintes, et les enfants jouent et restent quand même un petit moment. Donc voilà, donc la CRIREM avait dit que normalement il faut être à 0,6 volts par mètre, ce qu'on conseille. C'est vrai que nous on est toujours en retard en France pour des bonnes choses, si vous voulez, de la prise de conscience par rapport aux conneries qu'on peut nous faire avaler. Voilà, sans faire de polémique. Donc là, oups, je vous montre donc ce câble donc qui est ici avec un port donc USB donc pour l'ordinateur portable ou pour votre box qui a donc un seul fil, donc c'est le vert et le jaune donc de prise à la terre, et vous avez donc ici la prise à la terre qui va permettre donc de faire en sorte que le champ électrique qui rayonne autour puisse être réduit drastiquement et aller donc directement à la terre. On va faire le test, comme ça vous verrez comment on installe la prise. A tout de suite. Donc voilà, nous sommes devant la multiprise, donc je vais vous montrer comment on l'installe. Donc sur un ordinateur portable, alors je ne vais pas faire la liaison avec le côté USB sur l'ordinateur, c'est juste pour montrer surtout au niveau de la tête de la prise de terre comment l'installer. Donc avant tout, ce qu'il me faut, c'est de tester ma prise à la terre, parce que même si c'est une multiprise prise à la terre, il faut que je sois sûr qu'elle soit bien reliée à la terre. Donc pour ça, je vais mettre l'appareil comme ça, je l'allume, et là donc je vois que les trois fiches sont allumées, les trois diodes plutôt. Et donc là, c'est bon, il n'y a pas de souci. Je l'éteins, hop, je le sors. Ce que je fais donc après, là vous avez donc la prise à la terre. Vous allez avec un tournevis plat faire ressortir donc l'embout en plastique noir qui est en fait un isolant et aussi une sécurité par rapport aux enfants. Je vais le mettre à l'intérieur, donc vous allez plutôt la brancher au niveau de la multiprise et vous allez à nouveau remettre cet embout donc qui est un isolant et aussi une sécurité, comme vous pouvez le voir, pour le retirer c'est pas possible. Et de l'autre côté, donc vous installez sur votre ordinateur ou sur votre box internet donc le côté donc de la du port USB. Si vous voulez donc après l'enlever, vous partez avec, etc., au bureau, tout simplement vous reprenez votre tournevis plat à l'intérieur, vous faites ressortir donc le petit bout en plastique noir et vous pouvez facilement sans problème l'enlever et vous le remettez après directement. Voilà.
Vous pouvez également l'installer directement sur une prise à la terre, donc comme là, directement sans passer par la multiprise, mais bien sûr, on regarde avant si la prise à la terre est bien faite, et là, ben, on voit que ben non, il n'y a pas du tout de prise à la terre, donc on n'installe pas du tout le câble USB donc mis à la terre, sinon ben, ça ne marche pas du tout, ça n'a aucun effet, bien au contraire. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, c'est très facile à installer, mais avant tout, il faut faire donc les prérequis, c'est-à-dire tester ces prises à la terre pour voir si tout a bien été fait correctement. Surtout si vous avez une nouvelle maison que vous avez fait construire, au moins bah, vous pourrez rappeler très rapidement celui qui vous a fait l'installation en disant « Coucou, ça a mal été fait ». En tout cas, dès que vous avez fait ça et que vous voyez que donc, les trois diodes sont allumées ou alors la première à gauche est allumée, vous pouvez donc brancher votre prise à la terre. Bien entendu, on enlève avec un petit tournevis plat donc l'isolant qui est en noir et qu'on remet par la suite quand on a fait le branchement. Et après, on est tranquille. On branche le port donc USB, le câble USB de côté sur l'ordinateur portable si il est ancien ou sur une box type B-Box, Freebox, SFR ou celle de Orange pour pouvoir faire en sorte que ce champ électrique qui est autour donc, de l'appareil et qui prend une certaine distance puisse être réduit drastiquement et aille au niveau de la terre. C'est un peu comme vous voulez, je l'explique au début, une fuite d'eau, on va tout faire en sorte pour la canaliser et faire en sorte qu'elle aille dans une seule direction. Là, c'est la même chose. On va réduire drastiquement donc ce champ électrique. Voilà, maintenant vous savez tout, c'est à vous de jouer. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos qui seront encore au niveau des champs électriques. Alors, vous allez me dire pourquoi au niveau des champs électriques, vu que je travaille au niveau de l'eau, filtration, dynamisation et anti-calcaire, c'est que l'eau, et ça on le sait depuis à peu près 2 ans, l'eau émet par ces fluctuations, si vous voulez, donc les molécules d'eau entre elles. On a ce qu'on appelle un courant donc électrique, mais tout à fait naturel. Qui dit courant électrique dit courant magnétique, donc champ électromagnétique. Et après, donc ondes électromagnétiques, mais bien sûr de très basse fréquence. Et donc, il faut se protéger parce que nous sommes composés à 70% en masse d'eau. Mais si on pense d'un point de vue biologie moléculaire ou alors en tant que chimiste, c'est dans la cellule 99,1% d'eau. Le reste, ce sont des ions, des protéines, ADN et autres. Donc, pensez que vous êtes de l'eau. Avant tout, qu'il faut vous protéger. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Au revoir.